Et bien le bonsoir les troopers, on se retrouve aujourd'hui pour le 8ème épisode. On vous a manqué, je sais, vous nous avez manqué aussi. Et puis on commence sans plus attendre. Bon Nico, Lucien, les troopers, on est là, le retour. Ouais. Bon par contre je vois qu'en mon absence il s'est pas passé grand chose hein. Ouais, mais il y a des trucs que eux savent pas, que nous on sait. C'est vrai, on sait. Et vous saurez plus tard. Ouais, très prochainement. Du coup, au programme d'aujourd'hui ? Bah aujourd'hui, Nico, vu que c'est un mec branché, il va faire les branchements, donc l'électricité, tout ça, clignotant, phare, feu avant, arrière. Voilà, mettre ça, tout ça au propre. Mm-hmm. Ensuite, on en parle depuis un moment, mais on l'a toujours pas fait, c'est la mettre en eau et en huile. Ouais. Et je pense qu'on s'arrêtera là, parce que c'est déjà une très très belle étape. Et puis on passera dans l'épisode suivant. Eh bien, au test, avant toute chose, au rodage et à la remise des clés. Exactement, la totale. On commence ? Maintenant. C'est parti. Bon, avant de procéder au câblage, on va d'abord coller les petits stickers de jantes. On vous conseille au préalable de bien dégraisser votre roue, parce que même si elle paraît propre, il peut y avoir plein d'impuretés qui vont faire que ça ne colle tout simplement pas. Sans plus attendre, on est parti. Perso, mon job il est fait, c'était pas compliqué. Maintenant, je laisse le plus chiant et le plus dur à Nico avec l'électricité. Allez, ciao. On se retrouve pour la mise en place de notre câblage. Alors, c'est-à-dire qu'on va faire passer tous les câbles de clignotant et tous les câbles seuls dans des gaines athermiques afin d'avoir quelque chose de propre. Alors, les gaines athermiques, vous en trouvez de plusieurs modèles, plusieurs coloris et plusieurs tailles sur le shop.
Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, vous passez votre câble dans la gaine, ensuite vous vous munissez d'un décapeur thermique ou encore d'un fer à souder ou d'un briquet, vous le chauffez, elle va rétrécir et vous aurez quelque chose de propre que vous pourrez ensuite fixer à votre châssis, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, nos câbles de clignotants sont dans leur gaine, c'est bien propre, comme on aime. Maintenant, on va pouvoir passer l'intégralité du faisceau arrière proprement et le fixer. Je vous montre tout ça en image. Maintenant que la partie arrière est terminée, on va pouvoir passer à la partie avant. Alors on répète, même opération, on va insérer les câbles dans leur gaine, chauffer la gaine et tout replacer et fixer proprement. Alors pour insérer vos gaines dans vos câbles, c'est très simple en fait. Nous on a une petite astuce, ça va vous simplifier la vie en fait, c'est de prendre deux câbles tout simples. Vous les insérez directement dans la gaine, vous les faites passer jusqu'au bout, ensuite vous faites des petits U au bout des câbles que vous accrochez dans vos cosses
comme ceci, la seconde idem. Hop. Et ensuite, vous les faites passer dans votre gaine. Alors, vous tirez vos câbles. Donc voilà. Donc, une première cosse. Et ensuite, la seconde. Et ensuite, on peut les tirer. Et vous allez voir, votre gaine va venir en toute simplicité. Et on peut enlever les deux petits câbles. Et on répète l'opération pour le second côté. Nico a terminé son câblage, il nous a fait quelque chose de bien propre, on va pouvoir passer à la mise en eau. Avant ça, on va faire la mise en huile. On utilise de l'huile Stage 6 75W90. Il faut savoir que dans les moteurs AM6, tout comme dans les moteurs Euro d'ailleurs, c'est 750 ml qu'il faut mettre. Stage 6 a également pensé à tout avec le petit bec verseur extensible qui permet un remplissage beaucoup plus facile. Yeah.
Lucien. Nico. Ainsi s'achève l'épisode numéro 8 de Tune My Bike. Effectivement. On s'approche de la fin. Ouais, c'est pour bientôt là. Ça sent l'odeur dans l'atelier. Ouais, je crois que ça sent l'odeur de deux temps là. Mm-hmm. Du coup, on se retrouve très prochainement pour la suite des événements et très certainement pour la remise des clés. J'ai hâte de voir la tête de Théo. Ouais, moi aussi. Du coup, tu voulais dire ? Bah en attendant, vous pouvez laisser un gros like. Voilà, un commentaire. Surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et partagez. Allez, bouge bée, ça y est, on l'a perdu. Alors surtout, vous avez le message. Restez connectés, abonnez-vous, commentez, partagez. Enfin, vous connaissez le message. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao.